toutes les unités, mobilisation de niveau 4, emplacement tour Fisk. Fisk ? À la tour Fisk, toutes les unités en stand-by, attente de mandat. Est-ce que vous l'avez arrêté ? Non, on est à la tour Fisk, mais on n'a pas le mandat. Ça vous dérange si je joue avec vous ? Vous connaissez ces avocats. On doit faire ça dans les règles. Allez, Yuri, ça fait 8 ans que j'attends ça ! Vous voulez m'aider ? Allez à Times Square. On dirait que ces hommes essaient d'empêcher les renforts d'arriver sur place. Ok, c'est comme si c'était fait. Allô ? Peter ? Où es-tu ? Nous devons répéter la démonstration au moins une fois avant l'arrivée du comité de subvention. Oui, pardon, je règle un problème personnel. J'arrive tout de suite, promis ! J'ai intérêt à me dépêcher pour être à l'heure à mon vrai job. Je dirais qu'Yori a appelé la cavalerie. Times Square, officier prêt pour cible. Sortez le poids lourd. Salut les gars! Qui veut une tasse de café bien frappée? Alors je vous préviens, j'ai la pêche aujourd'hui. Client suivant. Présente mal. De paye. Spider-Man, où en êtes-vous ? C'est presque fini. Et vous ? On est sur le point d'entrée. Me dépêche ! J'ai hâte de voir la tête de Willy quand vous lui passerez les menottes. Ok, Yuri, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe ? Yuri ? Yuri ! Je savais que Fisk se laissera pas faire.
envoyer des renforts et verrouiller l'espace aérien. Yuri, tout va bien? S'il arrive à sortir du bâtiment, on va le perdre. Du coup, je vais... Ouais, allez-y. Yes! C'est le grand jour, Willy! Edgar! Hé, où tu vas comme ça? Les cadeaux! J'ouvre la voie! Venez-moi! Allez-vous-en! Désolé de vous le dire, mais vous contrôlez rien du tout! Qu'est-ce que Spider-Man fait ici? Il va vous faire foirer! Oh, merci pour le soutien! Ça me touche! Sortez ces trucs! Il est à moi! Les conditions de travail se dégradent à vue d'œil! J'ai envie de péter des dents! Je m'occupe des tireurs. Sors tous ces trucs. Abandonne et je serai gentil avec toi. Comment il fait ça? Prépare-toi. Je crois que c'était le dernier. Allez, allez! Ils ont bloqué les ascenseurs! Par les escaliers! Je préfère une approche plus directe. Spider-Man, au rapport. Je suis en train de monter, en priant pour que personne ne prenne l'ascenseur. Nos hélicos essuient des tirs. Fisk semble avoir posté des hommes armés à tous les étages. Il a peur. Et on peut dire qu'il ne lésine pas sur les moyens. Je dois trouver et l'arrêter. Pas encore. On vient de capter un message. Ils sont en train de vider leur serveur. Il nous faut ses preuves si on veut le faire tomber pour de bon. Ok, cap sur les serveurs. C'est Tante May. Il vaut mieux que je réponde. Salut Tante May. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je regarde un film de super-héros. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'assurer qu'on dîne toujours ensemble demain soir. Bien sûr. Écoute, je dois te laisser. D'accord. Je t'embrasse. Moi aussi. J'ai un doute. Vous savez que ça va mal finir pour vous. Voilà ce qui arrive quand on cherche le tulpin. La gueule au sol. On peut encore la... Allez, au suivant. Ne laissez pas vous jeter en l'air. Alors, tu regrettes tes choix de carrière? Te vengerai, t'inquiète. J'ai envie de péter des dents. Attention. Il faut que je trouve ces serveurs avant que l'épreuve ait disparu. Si je passe par là, ils détruiront toutes les preuves. Il vaut mieux de chercher un accès discret. Et voilà. Je rentre pour bonne conduite. Fisk est peut-être un sale criminel, mais sa ventilation est hyper propre. Plus vite, le boss veut que tout disparaisse. Je peux pas aller plus vite que la machine. Ils sont trop mignons quand ils se doutent de rien. On est à la moitié. Encore une minute ou deux. Je crois que les flics savent où on est. C'est le service technique? J'ai oublié mon mot de passe. Spider-Man! Ne laisse pas approcher la... Tiens-le! Attention, suppression totale imminente. Moi qui pensais que les techniciens de mon ancien job étaient nuls. On va tester l'efficacité de leur sécurité. Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch. Se cacher dans la salle des serveurs, c'est lâche, même pour toi. Hé, hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu es toujours un gamin naïf. Hein? Mais c'est ce qui fait mon charme, non?
Enfoncez-moi cette porte. Éliminez-le. Détruisez tout. Regarde autour de toi. C'est mon œuvre. Qu'est-ce que tu as accompli, toi? Eh ben, une fois, j'ai arrêté un gros criminel prétentieux avant mon petit déjeuner. Sans moi, la vermine que je tiens en laisse va se répandre. Ce sera ta faute. On en a vécu des choses, Fisk. Je suis presque triste que ça s'arrête. Voilà. Dans ce cas, prépare-toi bien. J'ai vu. Fisk a pu piéger tout le bâtiment. J'envoie une unité de déminage. Je ferai en sorte qu'ils aient le champ libre. T'as compris qu'on faisait pas semblant? Ça va faire! Bouge pas! Je crois que c'était le dernier. C'est bon, on y va! Salut les gars! Les bombes font partie du plan de Fisk pour fuir! Ils doivent être coincés! Occupez-vous d'eux, nous on se charge des bombes. Évacuez le bâtiment! J'ai entendu d'autres personnes par là. Je les trouverai. Spider-Man! On est coincés! On peut pas bouger! Je vais les soulever. Dès que possible, foncez! Si vous pouvez, aider les blessés. Compris? J'arrive! Spider-Man, c'est Yuri. Comment ça va, capitaine? Ça pourrait aller mieux. Nos hélicos ont souffert, on a dû rappeler le dernier. Si Fisk appelle un hélicoptère, on n'a rien pour l'empêcher de se poser. On n'a rien pour le poursuivre s'il décolle. Pourquoi j'ai l'impression que c'était son plan depuis le début? Parce que c'est sûrement le cas. Non! Yuri, faites monter les secours, vite! On essaie. Attention! Je vais te faire sauter la cervelle! Ça suffit comme ça! Encore des roquettes? Ça fait pas un peu beaucoup? C'est la journée mondiale de la roquette ou quoi? L'équipe de déminage a réussi à passer ça. Il est là! Tuez-le! Patience! Il y en aura pour tout le monde! C'est vraiment pas ton tour! À ta place, je m'enfuirai! Alors, crété! Bon, la salle est sûre. Les démineurs doivent être quelque part devant. J'espère qu'ils vont bien. Vous allez bien? On était sur le point d'appeler des renforts. Eh ben, je suis là. Passez devant. On sera juste derrière vous. Attention, chef. Avec Fisk depuis le début. Ah, j'ai l'image dans la tête maintenant. Votre plan n'a pas marché. Place au plan B. Vous prendre une dérouillée. Faut pas qu'il entre dans le bureau. Vous attendez quoi pour le tuer? Ah.
Hey Yuri, on dirait que certains de vos hommes bossaient pour Fisk. La bonne nouvelle, c'est que c'était le dernier rempart de Willy. Je suis devant son bureau. Arrêtez-le, maintenant. Avec plaisir. On écrit ses mémoires ? Oublie surtout pas le tirer entre Speeder et Mann. Préparez l'hélicoptère, ce ne sera pas très long. Je suis surpris que t'aies pu venir jusqu'ici. Mais tes pitreries s'arrêtent là. T'es conscient que je te vois toujours là ? 8 années de cette insolence. C'est pour moi ? Fallait pas ? Je dois attendre le bon moment. Ça recharge. Qu'est-ce que tu fais ? Comment c'est possible ? Eh ben Willy, t'as pas l'air content ? Je vais t'aplatir ! Essaie toujours ! C'est une ouverture ! Je vais en finir ! Fallait pas me chercher ! Cette ville a de pire. J'allais dire la même chose de toi. Vous savez quoi faire. Allez, encerclez-le. Je vais t'apprendre et ta mort sera aussi inutile que ta vie. Et c'est toujours... Vous êtes formés au combat. Je ne veux pas entendre d'excuses. Pourquoi je vous paie? T'as rien à faire là, petit. Pas cette fois. Entourez-le. Je vais t'apprendre à rester. Protégez le boss. Non. Je peux me défendre tout seul. Abandonne, mais je serai gentil avec toi. Il s'en va. J'ai beau. T'as l'air un peu accro. T'es en train de perdre, Willy. J'ai même pas commencé à jouer. Tu vas pas rigoler. Imbécile. Portable nuisible! Où sont passés les renforts? Je sais pas, boss. Yeah.
Alors, c'est là qu'on s'embrasse ? C'est plus tard. Alors tu vas enfin voir Riker. C'est drôle, je crois que t'as plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter ? Bon, faut que je file. Hé, hey, bonne chance Willy. Je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin, c'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. Tu verras, dans un mois, tu vas me supplier de revenir. Le Kingpin va aller en prison. C'est la fin d'une époque. Il faudrait fêter ça. Ou peut-être prendre des vacances. À quelques rues. Je me débrouillerai sans toi. Non, c'est trop dangereux. J'adore l'enthousiasme du Doc, mais ça a le don de lui créer des problèmes. Je vais bien me dépêcher avant qu'il se blesse. Pardon, je suis en retard, Wow. Vous avez déjà commencé ? La direction du comité de subvention sera bientôt là. T'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Le filtre électrique ! Pas vrai. On devrait peut-être arrêter. Pas encore. Tenez bon. Docteur Octavius, est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Mais on progresse. Vous êtes blessé ? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourrait aller en discuter autre part ? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais on en reparlera plus tard. C'était une catastrophe. Pourquoi le filtreur a pas marché ? Le doc m'a dit de prendre... Oh, t'es pas en grande forme, toi. Voyons d'où vient le problème. Le circuit a grillé. Si j'avais été là pour faire les contrôles, je l'aurais remarqué.
Ça y est. Voyons, on redirige les commandes du cerveau moteur. Redistribue l'attention. Fini. Voyons si ça marche. Comme neuf. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. J'ai qu'à faire ça maintenant. Le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses. Composite hydrogel polymère. Résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes. Bon, je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du doc. Spider-Man, c'est Yuri. Alors, fils qui est arrivé à Riker ? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah ! Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fisk devrait être content. Vous pourriez passer au commissariat ? J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri ! Je refuse de rien ! J'arrive tout de suite ! On dirait que Jameson a sorti un nouvel épisode. Je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation de Fisk. Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jameson, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Notre lauréat d'un prix Pulitzer... Non, deux. De deux prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef du Daily Bugle. Le bouquin. Et comme toujours, si vous commandez l'ouvrage de Monsieur Jameson, Spider-Man, Danger ou Menace, dans les 24 heures suivant la diffusion, vous recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe à votre nom. C'est pas la peine de réclamer. Bienvenue dans État de fait, avec J. Jonah Jameson, qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience. Vous êtes à l'antenne. Parlez. Bon, alors malgré vos opinions, on peut dire que Spider-Man a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, une crapule en moins, tout le monde y gagne. Ben voyons. Dites-moi, vous êtes quoi, policier, procureur, ou comme moi, un journaliste chevronné, récompensé par deux Pulitzer? Ah non, non, je suis plombier. Oh, super! Alors réparez mes toilettes et fermez-la! Je vais vous expliquer un truc sur les barons du crime. Dès qu'il y en a un qui tombe, tous les barjots avec un flingue, un survêt et une chaîne en or se prennent pour le nouveau parrain. Ça va être la guerre des gangs dans la rue. Et vous croyez que ça lui fait quelque chose à ce crétin masqué? Il s'en tape! Il est passé à la télé. C'est tout ce qui compte. Ouais, bah n'empêche que je peux me fournir en tuyau de cuivre sans verser de bacchiche. Alors en attendant votre guerre des gangs, moi je soutiens l'araignée. Et vous changerez de disque quand trois nouveaux gangs viendront vous faire payer trois fois votre... Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici? Je leur dis que j'en ai ras le bol de voir leur tête. Ça se tient.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Besoin d'un cavalier pour le bal? Vous avez un spider smoking? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorp. Mais ça valait le coup, non? Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis! Si vous cassez, vous payez! Je croyais que vous me faisiez confiance! Jetons un coup d'œil à cette tour. Les fréquences d'entrée sont inversées, subtil. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous? J'en ai sous le masque, hein? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait. J'ai des unités pas loin. Pas la peine. Je m'en occupe. Vas-y. Couvre-moi. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. Chauffez-le! Ok, c'est plié. Merci. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance? J'ai justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi? Non. Vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Spider. Je vous en prie. Alors, c'est toi, la balance. Dégage, raclure. Ouais, c'est bien elle. Je dis dégage! Mais fiche-moi la paix! Boucle-la un peu. Laissez-la tranquille! Oh non, Spider-Man! Frappez-le! C'est un tocard, pas moi! Tu ne fouilleras pas quand je te briserai les os! Tu vas te balancer! Je vais t'écraser! Dégage d'ici! Où je la bute? Lâche-moi! Tout va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville. Et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci, Spider-Mec. Non, mais c'est Spider-Man, mais... Bon. Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut. Son promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination, la deuxième tour de surveillance. Vous faites une voix de narrateur? Quoi? Bien sûr que non. Le chef ne comprenait pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas ses méthodes. Je sens que je vais le regretter.
sûr que je pourrais modifier ces tours pour détecter plus que des crimes. Bingo! Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiantes. Dont un juste là. Qu'est-ce que c'est? Oh, wow! Un de mes vieux sacs à dos de l'époque du lycée? J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville. Toujours là? On a un vol à quelques rues de là. L'inspecteur Speeder s'en charge. Ni homme, ni araignée. 100% flic. Ouvre le coffre! Allez! Hé, hey, salut! Ah! Spider-Man! Tue-le! Il en arrive d'autres? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminel! C'est bon, Yuri. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Vous voulez dire que l'inspecteur Speeder va la réparer? J'y ai bien réfléchi, Yuri. Être policier, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Speeder, c'est plutôt un vieux de la vieille. Pourvu que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Speeder prend sa retraite. Ah, oh, Dieu merci. J'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Speeder, l'infatigable... Yuri? Yuri, vous êtes là? Ah. Elle a dû être submergée par l'émotion du moment. Oh non, j'ai pas envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Les outils dont j'ai besoin pour ma tenue sont au labo. Je me demande si le docteur Octavius est rentré chez lui. Docteur, comment ça s'est passé avec le comité? Je suis désolé d'avoir tout raté. Ce n'est rien, Peter. Ils sont seulement nerveux face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez que je passe au labo pour ranger? Non, non. Je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Il faudrait prélever l'optimisme de cet homme et le vendre en bouteille. Apparemment, il a quitté le labo. Je peux m'occuper de ma tenue tranquille. Can you sign this from the camera?
Le doc est sorti pour la soirée. C'est le moment de passer à mes activités d'araignée. Peter. Docteur Octavius, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je... Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. Alors c'est donc ça. C'est toi. Je vois pas de quoi vous voulez... Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça se sache et que ma famille soit en danger. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Ouais. Oui. N'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Eh bien, je te laisse travailler. Regarde tes mails. J'espère que c'est pas le doc qui me renvoie. Ma remise de diplôme, ça me paraît tellement loin. J'étais en stage avec le doc. C'est lui qui m'a appris que je pouvais apporter autant au monde dans une blouse blanche qu'en collant. Voire plus. Le doc a fait de grandes découvertes pendant toute sa carrière. Mais il s'est toujours fait éclipser. Souvent par Oscorp. Cette fois, ce sera différent. Peter, quand j'ai découvert que tu étais le costumier de Spider-Man... D'ailleurs, est-ce le bon terme? Ça m'a rappelé ta valeur en tant qu'individu et en tant que partenaire. Tu as beau te tuer à la tâche, tu trouves toujours du temps pour aider les autres. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai remarqué que la tenue était un peu abîmée et j'ai pris la liberté de crayonner quelques arrangements. Tu trouveras ci-joint des idées que j'ai eues pour améliorer son costume et mieux le protéger. Il a fait tellement de choses pour notre ville. On forme un tandem extraordinaire et notre travail va changer le monde. Ton ami et partenaire, Otto. Une araignée blanche, hein? Ça devrait le faire. Pardon, je suis en retard. Spider-Man, je crois savoir comment les hommes de Fisk arrivent à maintenir ses activités, via ses chantiers. Ça a pas fermé quand on l'a arrêté? Non, c'était l'une de ses activités officielles, avec différents investisseurs. Et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non? J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendu. Je serai votre araignée fouineuse du quartier. Yuri, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Il y a pas mal de monde ici.
Mais aucun ouvrier du bâtiment, a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Wow! Ça pourrait bien marcher. Alors, j'arrive pas à lire. J'aurais dû prendre mes lunettes. Parfait! Le doc serait fier. C'est Dodo! On a perdu une bataille, n'est pas la guerre. Je sais. Mais je me souviens quand c'était qu'un gamin et que le boss lui fichait régulièrement une raclée. Je pensais même que le boss l'avait tué une fois. C'est possible. C'est quoi? C'est Spider-Man? Coucouche-panier! Ouvrez l'œil! Je suis prêt, tu peux y aller. Les gars, Spider-Man est là. Envoyez l'équipe d'Eric. Ça sent pas bon là. Oh non, en voilà d'autres! Spider-Man, on a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pâtés de maison autour du chantier. Du trafic d'armes? Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. S'ils ont dû appeler leurs copains. Super, il y en a d'autres. Bienvenue à la fête. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? Qui a envie de se rendre? Personne? Dégagez de là! Je vais t'apprendre à respect! Fumez-le! Essayez d'éviter ces gâchettes! Ugh!
L'endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Fisk a d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect. Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver, en appliquant un traitement 3D à des photos de bâtiments et de monuments. Et je sais par lequel commencer. Bon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Ça fera l'affaire. Ma carte a dû se recalibrer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Je devrais continuer à chercher d'autres monuments à l'occasion. C'est Monsieur Lee. Allô? Peter, c'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt, alors. Ok. J'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. Hey, we don't need you here right now, right? Surprise! Oh, Spider-Man! Je vais te fracasser la tête! Aucune chance! Bonjour, monsieur McGills. Si c'est à propos du loyer... Monsieur Parker, cet appel est votre troisième et dernier avertissement. L'expulsion... Attendez, attendez! Je suis payé en fin de semaine! Je peux... L'expulsion débutera vendredi si vous ne procédez pas au paiement total avant la fin de la journée. Au revoir. Et bonne journée. Salut, monsieur Lee. Salut, Peter. Tout est prêt pour la fête. On attend plus que toi. Cool. Je me mets en route. Appel à toutes les unités. Des civils sont piégés à la suite d'un accident. Signalement à cathédrale.